Les choucroulous, ici Loupina pour un nouvel épisode du 100 bébé challenge. Il me semble que c'est le 46, mais je ne suis pas sûre. Alors, j'ai relooké mes enfants, n'est-ce pas? Donc là, c'est Alexis Sims Prod. En fait, la seule fois que je l'ai vu à la cam, il avait une espèce de marinière comme ça, donc... je l'ai mis ça. Sab qui est aux toilettes, évidemment. Et le petit Alexis Da Silva. Et ça me gratte. Et j'ai enlevé Kira du foyer, du coup. Ce que je pense faire, c'est que... j'arrive pas à avoir des bébés assez vite, parce que je trouve... Enfin, j'ai envie d'avoir un foyer bien rempli. Et comme... Oh là là, l'évier cassé, comme j'ai dit. J'ai l'impression que mes ados grandissent plus vite que mes bébés ne naissent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder Seb. Et il nous fera de la peinture, ou je sais pas... Je vais le garder un peu et on verra tout ça. On verra, de toute façon, on n'y est pas encore. Donc je pense que le bébé va naître dans ce tépi, hein. Il n'y a pas à tortiller, à mon avis. Ok, donc lui, il fait la vaisselle, c'est bien. Par contre, tu as besoin grave de divertissement et de social. Donc tu vas discuter avec ton petit frère. Voilà, hein. On va faire ça. Et comme ça, ça va lui remonter le social à lui aussi. De toute façon, il est quelle heure là? Il est 20h30. Ça va. Franchement, ça va. Hop, ma petite Clem. Clem est KO. Elle a un joli petit bidon. Allez, allez, allez. Allez, va dodo, parce que là, là, t'es HS, ma pauvre. Oh, lui aussi, il a besoin de social. Ah, vas-y, parlez ensemble, là, les garçons. Et on a plus que des gars, d'ailleurs. Ah zut, j'aurais dû garder Kara. Enfin, cela dit, comme je compte avoir plus de 20 gosses, 24, il me semble, on a le temps d'avoir des filles, hein. Ça m'étonnerait que Kira soit la dernière fille. Ce serait un peu bizarre. Voilà, donc il se raconte des trucs. Comme ça, l'or social remonte. T'en es à où? Ok, donc toi c'est bon. Et toi c'est bon. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire un petit pipi. Tu vas te doucher aussi, comme ça ce sera fait. Et au lit, sale gosse. Vous deux, vous allez continuer à jacter le temps que Seb aille mieux. Allez-y. Et qu'il finisse sa portion, là. Bon, du coup. Hop, tu vas prendre une douche. Et au lit. Et Seb, fou, le divertissement, c'est pas ça, hein. Mais il est déjà 22h, donc on va pas te faire faire trop de trucs. Voilà, tu vas aller te coucher, tout simplement. Ah, donc lui, il se douche. Et voilà. Ah, je crois que j'ai oublié de changer son pyjama, Alexis. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas un drame non plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, donc attends, parce que le groupe là, il a plein de points à dépenser. Ça, on s'en fiche. Quoique, ça peut être drôle, hein, de toute façon, avec tous les points qu'on a. Amical, drôlerie, mouais. On va améliorer la compétence peinture, tiens. Pour Seb plus tard. Ça peut être utile.
Et ça me gratte l'œil, les gars, c'est horrible. Bon, du coup, Alexis da Silva, c'est l'enfant de qui, au final? Parce que je ne sais plus, moi. C'est l'enfant de qui? De qui es-tu l'enfant, petit? Ah, de Alan Tracy. Ok, d'accord. Donc là, ça doit être le gosse du Vario qu'on attend, je pense. On verra bien, hein. De toute façon, s'il est noir, c'est le gosse du Vario, et s'il n'est pas noir, bah, c'est pas le gosse du Vario. Voilà. Tout simplement. Par contre, le divertissement, là, poids, 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 poids. Tu vas regarder la télé, mon petit Seb. Regarder la chaîne d'humour. Et toi, pipi, manger. Et toi, ça va. Et regarder la télé, enfin, faire quelque chose de divertissant. Oula! Quoi, dégoût? Oui, mais la femme de ménage qui va venir tout à l'heure, t'inquiète. Tu vas te laver, par contre, Clémentine, ce serait pas mal. Et faudrait refaire à manger un de ces jours. Hop, allez debout là. Ah oui, j'ai complètement oublié de lui changer son pyjama. Bon, c'est pas grave. Hop, tu vas regarder la chaîne actuelle avec ton petit frère. Mais Clémentine, je t'ai dit d'aller manger. Elle a peut-être pris le dernier truc. Hop, et tu vas appeler Elantia, tiens. Voilà. Discute avec Elantia, avec Isora et avec Kira. Allez, go. Voilà, comme ça, son social va remonter. Il est quelle heure là? 6h51, c'est à quelle heure l'école? C'est à quelle heure l'école? Re, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de remontée acide, c'était génial. Aïe, aïe, aïe. Ah bah toi, tu laisses ton bol ici. Bah bravo. Donc, je disais, c'est à quelle heure l'école? C'était à 8h, donc c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Excusez-moi pour ce bruit de bouche. J'ai la bouche pâteuse. J'ai rien pour plaire aujourd'hui. Hein. Je vous jure. Alors, il faut que tu augmentes ta compétence, toi. Va danser. Bon, il reste 30 minutes. Le temps que tu montes les escaliers, il sera temps d'aller à l'école. Non, mais c'est ça en plus, hein. Lui, c'est bon. Bah, tout va bien pour lui, hein. Vous avez bien fait vos leçons? Ouais. Ouais, ils sont géniaux, ces petits. Bon, bah, tu causeras avec ta mère plus tard, hein. Hop, allez, go, à l'école. Ah, du coup, Clémentine va accoucher à un moment ou un autre. Hop. Bon, les plantes, le jardinier va venir tout à l'heure. Tu vas faire des plats, tiens. Cuisiner des trucs. C'est con, il n'y a pas cuisiné de la choucroute. Je vais aller en manger tout à l'heure, les gars. De la choucroute. Elles sont trop belles, ces bougies. Enfin bref. Donc, il faut que je les fasse travailler dur. Réviser assidûment. Réviser assidûment. Et réviser assidûment. Est-ce qu'on peut pas donner des trucs pour la petite dame là? Voyons voir ce qu'il y a comme trait. Fantastique conteuse, nettoyeuse rapide, observatrice. Toujours bienvenue, mentor, oiseau de nuit, négociatrice, blablabla. Économe. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est très 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 bien. Vous savez quoi? On va augmenter ses points. Dès qu'elle aura accouché, on va augmenter ses points. On a le droit d'avoir des petits amis, donc ça c'est pas un souci. Il faut juste pas se marier, il faut pas qu'il y ait un Sims mâle reproducteur dans la maison. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Elle pourra très bien avoir un petit ami. Il n'y a pas de souci. Donc c'est bon. Alors, réviser.
Les deux contrôles, hein, on s'en fiche. Gain de performance, cool. Alors, faire le minimum. Gain de performance, voilà, que demande le peuple, hein. Je pense que Seb, là, il va pouvoir être adulte. Ouais, c'est parfait. C'est perfecto. Du coup, Clémentine, elles en sont où tes compétences, au fait? Alors, on a 7 en programmation, 6 en jardinage et en charisme, 5 en cuisine et en fitness, 3 en peinture, 3 en jeux vidéo, 3 en comédie, 2 en écriture et en bricolage et 1 en danse. Et bah, c'est très bien. C'est très 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 bien. Juste, on va inviter un mec là. On va inviter un mec, on va la faire copuler, elle va augmenter son social. On va inviter. Lui. Ah, bah non, on va pas l'inviter en fait, hein. On va aller voir son bébé. Voilà. On va y aller avec elle, on va y aller. Zut. On va y aller avec Elancia. Hop. Bon. Garçon, fille, fille, garçon, garçon, fille, on ne sait pas. D'ailleurs, j'ai pas de nom. J'ai des noms de garçons, j'en ai pas mal, mais des noms de filles. Parce que pour vous expliquer, là, je fais deux têtes. Je fais deux têtes. Parce que j'ai perdu le carnet où il y avait les noms. Et de toute façon, j'ai décidé de mettre les pseudos. Je vais pas refaire ceux qui ont déjà été faits. Oh, attends, mais faut que je vois son arbre généalogique. J'ai qui? Alors attendez. Parce que je remette pas. Donc j'ai Nana, Maki, Lenny, Exvi, Abbé, Aksu, Lou, Ruru évidemment, Jilou, Youyou. Alors, il y a Youyou et il y a You. Ce n'est pas du tout la même chose, ok? Nalou, Nono, Lily et Xan. Et là, j'ai Kera et Elancia. Attendez, je vais aller regarder sur mon Discord. On va tricher un peu. Qui c'est que je peux mettre? Qui c'est que je peux mettre? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Alors, il y a qui dans You Sims? Ah bah oui, je suis bête, c'est bon, j'ai un nom de fille si jamais. Oh là là, la honte. Pouf, je suis désolée. Je suis désolée, en plus j'y ai pensé tout à l'heure. Et puis, bon, il arrive le mec ou pas? Ah mais c'est Nal qui est avec moi, c'est pas Lantia, c'est pas grave. Hein. C'est pareil. oui, donc du coup, je suis désolée de pas y avoir pensé. Enfin en fait, j'y ai pensé tout à l'heure et puis là, vieux blanc. Bon, il arrive. Non, il n'arrive pas en fait. Bon, alors hop, on y va. Allez, vas-y. Et si c'est un gars, qui c'est que je prends? Ah bah je sais qui je prends. C'est évident. Eh ben, c'est un garçon. On est abonné à un garçon, donc voilà. C'est Studio FS3. Allez voir sa chaîne. Il fait des séries horreur sur les Sims 3. J'ai doublé un épisode. J'en doublerai d'autres. Elancia double aussi. Enfin, il y a plein de gens qui doublent. Enfin, il fait vraiment des trucs, mais vraiment très très bien fait. Par contre, si vous êtes un gros trouillard, n'y allez pas. Hein, je vous le dis tout de suite. Allez, hop, il y en a qu'un. Bon, j'aimerais bien avoir une fille quand même. J'aimerais bien avoir une fille. Hop là. Encore le gros bide, tout va bien. Tout va bien. Donc Studio FS3, je risque de l'appeler Ed, puisque je ne l'appelle jamais Studio FS3. N'est-ce pas? Édouard. Édouard! Je sais même pas pourquoi on l'appelle Édouard, sérieux. Parce qu'en vrai, il s'appelle pas du tout Édouard. Les réflexions intéressantes de Lupina. C'est tous les soirs sur sa chaîne. Enfin bref. Bref, bref, bref. Je vais encore tourner un épisode, donc en fait j'essaie de tourner mes épisodes 3 par 3. Si je fais des mouvements chelous, c'est parce que je remets mon plaid, parce que je me caille le cul. J'essaie de faire les épisodes 3 par 3.
Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, je vais aller tourner du Falloute. Ça va changer. Ça va changer totalement d'univers. Alors, du coup, je voulais. C'est le. Attends, stop, 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 stop. Il est où, le petit? Le petit! Ok, donc il a l'air assez blanc quand même. Ça m'étonnerait que ce soit Uvario son père. C'est qui son père? Bah si, c'est Uvario. Ok, bah tout va bien. Ouais, il est beige. Bon. Bah du coup, vous savez ce qu'on va faire? On va aller avec Wolfgang. Donc déjà, on va. On peut pas l'inviter à un rencard? On va l'inviter à venir sur le terrain actuel. On va lui. On va aller là, déjà, pour commencer. Ok, donc la jardinier s'en va. La bonne aussi. Il est où, Ed? Ils l'ont foutu où? Ils l'ont mis dans la chambre rose. Eh ben, Edouard, ce sera ta future chambre. Petit vénard. Petit vénard! Bon, ils sont tous à l'école. Alors, on va se faire un petit rencard avec le Wolfgang. On va essayer de le pécho dans un placard pour être enceinte. Hein, on n'a pas le temps. Non, mais on n'a pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Déjà, ce qu'on va commencer à faire, c'est lui demander si tu veux être mon petit ami. Comme ça, on va augmenter ses points. Bonjour, tu veux être mon petit ami? C'est trop ça. Donc, c'est bon, il accepte. C'est génial. Et tu vas maintenant lui demander un rancard. Un rancard, c'est où? Je ne sais plus où c'est. Ah, proposer un rancard. J'ai trop hâte, les gars. J'ai trop hâte d'être dans quelques jours. Bon, vous aurez cet épisode, je l'aurai déjà. Mais. J'aurai bientôt le nouvel add-on et je peux dire que ça va envoyer du pâté. Du pâté. Dans le micro, ça doit être bien, bien dégueulasse le son du pâté. Je vais arrêter de faire ça. C'est très troublant. L'épisode est bientôt fini. Non! Je pense qu'après le rencard, ce sera fini. Si le chargement veut bien charger. C'est génial. C'est génial! J'ai pété un câble. Ah, c'est parfait parce que il y a. Ah zut, je ne vois pas les objectifs. Bon, il faut s'asseoir ensemble déjà pour commencer. Allez, hop, ensuite on va lui raconter notre vie. Voilà, demander comment s'est passée la journée. On s'en bat les couilles, mais bon. On va essayer de le flirter aussi, complimenter l'apparence. Oh! Attendez, 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 attendez. C'est pas possible. Ok, donc Alexis a eu un B. Alexis Simtrod a eu un B. Alexis Da Silva a toujours au C. Et Seb a eu son A. Donc, ok. Bon, bah, c'est parfait. Alors, il y a être drôle aussi, je crois. On s'en fout. Hop. Drôle. Et il y a un mec qui squatte. Non, mais tout va bien. Tout va bien, le mec qui squatte. Attendez. Au pire, je vais. Zut. Je vais pas afficher la caméra pour moi. Non, bah, je sais plus comment on désaffiche la caméra. Youyou! Raconter une histoire drôle. Voilà. Conversation profonde. Je crois qu'il faut faire ça, conversation profonde deux fois. Et le pécho. Ouh, ils sont péchos. Non, on va pas le demander en mariage, non. On n'a pas le droit. À la limite. J'ai une idée, quand Clémentine sera vieille, si Wolfgang est toujours vivant, on fera en sorte de. Bah, de finir notre vie avec lui, peut-être. Pourquoi pas? Allez, Zou, faites exploser le placard. Il est morose et méchant. Ok, super.
Hop, allez, recommencer. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps de niaiser. Ah, la violence. J'ai entendu que tu avais une fréquentation, bravo. Oui, non, mais tu sais très bien, ma chérie, que... Moi, les fréquentations... Moi... Allez, on va le faire 5 fois. La meuf. Qu'on a jamais assez. On le fait 5 fois et ensuite, on rentre à la maison. Hein. Allez, encore un petit coup, là. Je sais même plus à combien j'en suis. Ça doit être la 3e, là. Je sais plus. Je sais plus. Elle est très très enjôleuse. C'est con qu'on puisse pas mourir d'enjôleusitude. Allez hop, 4e fois. Et encore une dernière fois, je crois. Ah bah là, si elle est pas enceinte, je sais pas ce qu'on doit faire. Hein. Putain, y a ma sœur qui me voit. Coucou, comment allez-vous? Mais reviens. On doit se pécho. Du coup, je sais plus. Non, on l'utilise pas juste comme ça. Fait un test de grossesse, voyons. Voyons. Ah non, bah c'est ici. Alors là, c'est bon. Je me suis dit, si elle est pas enceinte, c'est que le mec est stérile. Voilà, j'allais dire fertile, mais c'est l'inverse. Allez, zou, on rentre. Et je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, je ferai grandir les enfants.